Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en direct de Londres. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le docteur Pierre Sabouret qui est le président du CNCF. Et à ce congrès, il y a eu notamment les recommandations sur le syndrome coronaire chronique. Je sais que toi, tu es très adepte de tout ça. Il y a plusieurs éléments, hein, on pourra en parler pendant des heures. D'abord, finalement, qu'est-ce que on peut les subdiviser ? Oui, on peut les subdiviser. Alors, concernant les antithrombotiques, voilà. On aime tous avoir des règles simples. Mmh. Malheureusement, les patients sont complexes. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles simples. Ce qu'on peut résumer, c'est le patient est en syndrome coronarien chronique, revascularisé, extend. Mmh. Il est à haut risque hémorragique. Oui. Là, on peut se permettre d'avoir un mois de bithérapie anti-agrégante plaquettaire, associant l'aspirine, comme d'habitude, et clopidogrel 75. Mmh. Après, si le patient, hein, donc c'est un mois minimum, pas moins, parce que l'étude de STOP-DAP3, qui est publiée récemment, montre que les patients coréens en l'occurrence, mais peu importe, qui ont des revascularisations dites complexes, si on arrête avant un mois, il y a un sur-risque de thrombose de stent et de récidive d'infarctus. Mmh. Donc c'est important de garder un mois chez ces patients-là, même s'ils sont à haut risque hémorragique. Pour les patients qui sont considérés à risque hémorragique dit modéré ou faible, là on garde la stratégie de aspirine clopidogrel 6 mois. Mmh. Et bien sûr, ce qu'on ne mentionne pas toujours dans les recommandations, mais qui vous savez en pratique clinique est importante, il faut que les facteurs de risque soient parfaitement contrôlés par ailleurs. C'est-à-dire que cette bithérapie va être modulée. Si le patient continue à fumer un paquet par jour, on peut être amené à prolonger. Si le patient a un sevrage tabagique complet, ça permet de raccourcir. Idem pour les lipides, s'ils ont vraiment un LDL cholestérol en dessous de 55 mg par décilitre, y compris chez les patients coronariens chroniques, c'est plus simple d'arrêter. Idem pour le diabète, il faut qu'il soit bien équilibré, en dessous de 6,5 pour les diabètes récents, et en utilisant la metformine, comme on sait, pas plus de 2 grammes par jour, et souvent un GLP-1 récepteur agoniste, quand c'est l'ambiance athérothrombose, comme c'est le cas en post-SCA ou en syndrome coronarien chronique. Alors, les lipides, justement ? Ben, les lipides, nous, on est tous convaincus. Malheureusement, les registres montrent que ce n'est pas appliqué. Pourquoi ne pas faire d'emblée, aussi bien après une revascularisation programmée dans ce cas-là qu'après syndrome coronarien aigu, une association forte intensité de statine, c'est-à-dire atorvastatine à dose intense ou rosuvastatine et ezetimib après, au cours de la procédure. Et puis ensuite, on manage et on voit que les gens qui ont un LDL au-dessus de 70 mg par décilitre peuvent bénéficier d'un PCSK9 inhibiteur de type alirocumab ou évolocumab. Et peut-être qu'on aura en France bientôt l'inclisiran, qui, comme vous le savez, c'est une injection tous les 6 mois. Ça baisse un tout petit peu moins le cholestérol, c'est 50% versus 60%, mais c'est tous les 6 mois. Donc dès qu'il y aura le remboursement, ce sera intéressant aussi dans la panoplie. Alors ça, encore un air chronique aussi, c'est l'imagerie. Est-ce que finalement, voilà, il y a des nouveautés dans ça? Alors, ce qui est important, c'est que quand le patient est asymptomatique, alors je sais que ça fait toujours un petit peu grincer des dents, le patient asymptomatique, il n'y a pas de raison de rechercher une détection de l'ischémie. Mmh. Par contre, le patient symptomatique pour lequel on a un doute, il faut réaliser des tests d'ischémie. Mais alors, c'est une vraie problématique d'organisation. Ce n'est pas le test d'effort simplex. C'est soit l'écho de stress, l'écho d'effort chez des centres entraînés, soit l'IRM de stress ou la scintigraphie. Mais là encore, c'est opérateur dépendant. Donc, il faut des centres de référence qui fassent de belles scintigraphies ou de belles IRM de stress. L'épreuve d'effort simple, pour toi, c'est fini ? Pour moi, c'est fini. Je suis désolé pour les cardiologues qui nous écoutent parce qu'il y a l'habitude, il y a tous les centres, il y a l'activité. Toujours est-il que l'épreuve d'effort simple pour la détection de l'ischémie doit disparaître. Et dans les recommandations, ça n'est pas recommandé. Après, on peut toujours faire une épreuve d'effort pour évaluer les capacités d'effort du patient ou dans le cas des troubles du rythme que tu connais bien, pour évaluer les troubles du rythme à l'effort. Mais dans le cas de l'ischémie, non. Dernière question, les bêta-bloquants ? Alors, les bêta-bloquants, il y a la belle étude qui a été présentée par Johan Sylvain, hein, du groupe Action Cœur. Donc, en fait, l'idée… Alors, les gens ont critiqué. Il n'empêche que c'est une étude ouverte, mais comme les autres. Ouais. C'est-à-dire que Swedart, c'est aussi une étude ouverte. Mmh. Alors, il y a tous les biais inhérents aux études ouvertes. Mmh. Ce qui est important de se dire, c'est que probablement, il ne faut pas arrêter le bêta-bloquant pour tout le monde. Merci, oui, docteur. Donc, ouais, ça, c'est important de le dire. Et que par contre, des patients qui ont une intolérance, mauvaise tolérance des bêta-bloquants, qui ont une bonne fraction d'éjection VG, ces patients-là qui n'ont pas de symptômes, on peut leur arrêter progressivement les bêta-bloquants.
en surveillant bien sûr les remontées de fréquence cardiaque ou les remontées d'hypertension artérielle, comme ça a pu être le cas dans l'étude Abyss. Mais c'est une étude académique qui a les qualités, les défauts des études en ouvert, mais pas plus, pas moins que les études suédoises. Ben, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup encore, Pierre, et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.